Kiefer au tour précédent. Aussi hein, le Nigérian au sein du pour l'instant on peut pas dire que ce soit Valenciennes hein, qui prend le Bastier qui s'est imposé. Vous l'avez peut-être suivi dans le derby face à l'AC Ajaccio. Le long ballon vers Benmida pour le face à face. Ah, et un ballon pas très. Dans le dos. Ah, il est vif. Franchement, Baouya là, il. Très pas mal vu, mais ça sera dégagé la nouvelle possibilité. Et le but qui sera validé pour cette formation de Valenciennes. Bah oui, ils avaient peut-être un petit peu plus d'envie là depuis quelques minutes. Et ils arrivent à but d'Andrew Young. L'audace peut-être ou la vision claire. Ballon, c'est dangereux évidemment. Ouh là, le coup de tête, il est passé devant. Elle va. Avec Essimi dans la surface, le geste est bon. Le petit décalage peut-être. Le retour, le symbole justement, le signal. Avec les crochets. Ouais non, là bien revenu, superbe effort. Potier qui cherche la profondeur. Il est touché et ouh, le tacle là, il est ultra engagé. Ouais. Alors, on va la revoir. Ouais, ah waouh. Un deuxième jaune, on va attendre évidemment. Ouf. Oui, ça méritait rouge. Après, si on a un arbitre assistant. Avec l'entrée, bon, de l'autre côté, on a Audran Ruiz qui est entré. Attention, c'est bien joué ça. Le centre peut-être en retrait. Et le dégagement là. Et ça va envoyer la profondeur là sur Jatta. La touche. Monsieur Bata et la récupération avec une bonne vieille chandelle là, ça sera dégagé. Et de cette partie pour Saint-Priest, la passe un peu molle qui reste coincée là. Attention Potier avec cette sortie, le ballon et le but était quasi vide avec et il va quand même s'emballer et proposer cette frappe puissante là qui est repoussée par